Bonjour à tous, comme je le disais donc dans la vidéo précédente que j'ai postée sur des manifestations qui se font sur la tolérance, le respect des autres. Encore une fois, c'est encore mal fait hein, parce que là on nous parle du génocide arménien. Le premier génocide. On reproche encore à Ankara quelque chose d'autre, de plus, par rapport à son entrée dans l'Union Européenne. Si je ne m'abuse, déjà, il reste des Arméniens. Là, pour un génocide. Le génocide rwandais, il n'y aura pas de Rwandais de pur sang, hein. Il n'y en aura plus, ça, ça n'existera plus jamais. De personnes qui ont deux parents rwandais. Plus jamais on trouvera ça. On aura des métis. Qui à la suite seront métis aussi, avec quelqu'un de pas rwandais, du coup. Forcément. Ça, c'est un génocide. Les tentatives qui ont été faites aussi de génocide, comme la Shoah. Des tentatives, ça a été ils ont échoué, mais ils ont essayé. Est-ce que les Turcs cherchaient vraiment à exterminer les Arméniens, ou est-ce que c'était vraiment une guerre terrible? Parce qu'une guerre, c'est toujours moche, de toute façon. On oublie vite ce que les Européens ont fait aux Amérindiens, on oublie vite ce que les Européens ont fait aux Aborigènes d'Australie. Ils sont plus chez eux, hein. Ils existent toujours, oui, mais pareillement, le sang n'est pas pur. C'est plus des purs Maoris, des purs Amérindiens, ils ont toujours un parent blanc, un parent noir, il y a un peu tout, des mulâtres, des métis, surtout sur ces continents-là, hein, comme l'Océanie et les Amériques. Mais je veux dire, il y a eu aussi une tentative de génocide, on le sait, parce que je veux dire, la présentation du programme de l'éducation nationale, c'est de nous dire qu'ils sont morts de maladies qu'avaient les Blancs. Mais les Blancs s'en sont vite aperçus que les maladies qu'ils avaient les rendaient malades, au point d'en mourir. Et ils en ont profité de cette faiblesse. Ils ont contaminé des denrées alimentaires, ils ont... Non, c'est pas le premier génocide de l'humanité, je suis désolé, c'est loin d'être le premier génocide de l'humanité. Je ne soutiens pas, par contre, la Turquie, je suis en faveur du peuple arménien, je n'ai rien contre les Arméniens, hein. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste que rejeter la faute sur l'autre pour se laver les mains, c'est un petit peu facile à faire. Tout le monde peut faire ce truc-là. C'est pas vous, c'est nous. C'est comme nous. Vous nous aimez pas. Alors qui n'aime pas l'autre? En gros, personne n'aime l'autre, mais on se dira toujours que c'est lui qui m'aime pas. Non, c'est lui qui m'aime pas. C'est lui qui m'aime pas. Sans fin. Donc le génocide arménien n'est pas le premier de l'humanité.